Bonjour à tous, voici l'histoire de Tchoupi n'a plus de tétine. Ce matin, au petit déjeuner, Tchoupi n'est pas très bien réveillé. Tchoupi, explique maman, on ne mange pas avec une tétine, enfin. L'après-midi, en allant au parc, Tchoupi et son papa chantent une chanson. Tchoupi, dit papa, on ne chante pas avec une tétine, enfin. Un peu plus loin, Tchoupi court vers le toboggan. Devant l'échelle, il y a un petit enfant qui n'ose pas monter. « Viens avec moi !» lui dit Tchoupi en grimpant. « C'est facile ! 1, 2, 3, tout en bas !» Le nouveau copain de Tchoupi s'amuse drôlement bien. Mais soudain, sa tétine tombe par terre et elle est toute sale. Ne pleure pas, le console Tchoupi. On recommence à chanter. 1, 2, 3, tout en bas. Bravo. Tu vois comment on chante bien sans tétine, lui dit Tchoupi. Au goûter, Tchoupi lui donne un morceau de son pain au chocolat. Et sans tétine, explique Tchoupi, c'est bien meilleur. C'est l'heure de rentrer à la maison. À bientôt, dit Tchoupi. 1, 2, 3, à la prochaine fois. Au revoir, Tchoupi. Le soir, avant de se coucher, Tchoupi donne un petit paquet à sa maman. Tiens, maman, c'est ma tétine. Je suis sûre qu'on dort bien mieux sans tétine. Après le dernier câlin, Tchoupi serre Doudou contre lui. « Toi, mon doudou chéri, je te garde pour toute la vie !» Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker et surtout à t'abonner. Merci et à la prochaine !